Les gars, écoutez-moi bien, on va pas tester un clavier, on va pas tester deux claviers, non. On va tester trois claviers ainsi qu'une souris. Chaque stuff a sa petite particularité. Honnêtement, c'est assez étrange. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je les ai commandés et j'ai enfin tout reçu. Il y en a qui venaient de Chine, d'autres des États-Unis carrément, bref, un petit peu partout dans le monde. Mais là, ça y est, tout est chez moi entre mes mains. On va unboxer tout ça. Juste avant, pensez bien sûr au petit pouce bleu et à l'abonnement. N'hésitez pas d'ailleurs sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram, c'est WastH. Il y a plus de 6 000 € de cadeaux pour vous. C'est ma façon de vous remercier pour tout le soutien sur l'année. Il y a un iPhone, un écran 360Hz, une P5. Bref, il y a plein de choses à gagner. Y participer. Sur ce, on part unboxer tout ça. À tout de suite. Alors le premier, regardez, c'est ça, c'est simplement un clavier standard à grosses lettres. En gros, c'est très utile pour les personnes malvoyantes ou pour les personnes âgées également. On va l'ouvrir. Honnêtement, la boîte, regardez comment elle arrivait toute cassée, sérieux. Je vous le dis, c'est pas du tout fait pour le gaming, faut pas s'attendre à grand chose. Ok, donc là on a un petit post-it et là le fameux clavier. J'adore la taille des touches. Hop, on le sort. Oh là 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 là. Bon, la boîte, hop, je peux la dégager. C'est bon. Ça, je trouve ça tellement satisfaisant, regardez. Vous voyez, de retirer le petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, la petite languette. Alors au niveau des touches, premier test. Ah oui, elles sont vraiment grosses. Regardez, je peux pas aller chercher plus loin que le U pour que vous puissiez comparer. Regardez à côté de mon Apex Pro. C'est quand même beaucoup plus loin. Regardez l'Apex Pro, je peux facilement aller chercher vers le I. Là, ici, impossible. Donc les touches sont plus grosses. D'ailleurs, aussi pareil, les lettres, regardez, elles sont écrites beaucoup plus grosses. Papy, ce clavier, il est pour toi. Bref, je vais le brancher. On part tester tout ça. Let's go! Alors déjà on va le tester en créatif. On va mettre une petite BHE. Waouh, mais c'est tellement spécial. Là ce qui me perturbe le plus c'est vraiment la barre espace. Waouh. Il va passer les trois premiers tests. Le premier c'est le solo build. Voilà. On va tester tranquille. Ok. Ça va, une triple edit. Ça va, ça se passe bien. En vrai, ça se ressent quand même que c'est pas du tout un clavier mécanique. C'est pas adapté pour le gaming, les gars. Là-bas, c'est même pour les personnes âgées. Donc, le but, c'est pas d'avoir un clavier super réactif, mais plutôt un clavier où les touches sont bien grosses et bien voyantes. Mais il y en a, je suis sûr, parmi vous, vous jouez déjà sur un clavier comme ça, mais premier degré, genre. Grosse force. Eh, en vrai, t'es vrai, je suis agréablement surpris pour l'instant. En solo build, c'est validé. Les extend maintenant. Ok. Eh, tranquille, en fait. Mais je suis un monstre. Bon, ça, pareil, c'est un 10 sur 10. Et maintenant, un enchaînement de triple edit. Alors là, allez. Allez, c'est parti. Eh, ça va de fou! Mais incroyable! Le monteur affiche maintenant le prix, mais vraiment, il m'a pas coûté très très cher. Lui, on va le tester en game. Téléportation maintenant. Ok, on est parti directement. Les gars, on va atterrir à mon tout nouveau spawn pour le chapitre 3. Ça y est, j'ai enfin fait mon choix. Je pense que vous avez compris avec là où je regarde. C'est tout simplement Shifty Shaft. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville depuis cette saison. J'espère qu'il vous plaît parce qu'on va y passer pas mal de temps quand même. J'ai un petit pistolet blanc, une grosse pote. Bon là je pense que mon stuff il est quand même pas mal hein. Le seul problème c'est que j'étais pas contest. Il y a l'air d'avoir personne par ici. La map elle est totalement déserte. Des mini parfait. Eh vous savez quoi, c'est bon, on va claquer un pad. Allo. Ok, il y a du monde là-haut. Nickel, on va les push. À même se mettre une splash piment. Bon là le problème c'est qu'eux ils ont sûrement un gros gros matériel et tout. Moi je vais être là avec mon petit clavier. Oh, j'ai mis un gros chiton lui. Allez, tu sors, Twitch Raisin, tu dégages mon gars, chiton. Hop, il avait un petit pompe bleu, nickel. Alors là, pour l'instant, le seul truc qui m'a un petit peu perturbé, c'est plus le temps de réaction des touches que l'espacement. Genre là, c'est vraiment le plus gênant, c'est que c'est vraiment pas un clavier gamer. J'adore tuer les lamas, donc quand je suis full, je sais pas pourquoi, c'est une satisfaction personnelle. Allez, arrête-toi. Nickel. Mais regardez, il y a encore un lama, les mecs, qui se bat avec. Oh, il y a moyen de le surprendre. Regardez bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, alors lui, il est pas prêt. Let's go. Deuxième kill. On est plus que 23 remain. Imaginez, je fais top 1 avec ce truc. En vrai, j'y crois pas. Au niveau de l'esthétique, le clavier par contre, il est vraiment sobre hein. Clavier tout noir, toujours avec le texte blanc. On va dire qu'on est vraiment dans le minimalisme. J'ai surtout hâte de tester le clavier juste après. Ça va être une de ces galères. Mais en vrai, c'est un rêve de gosse. Quand j'étais petit, moi aussi, j'avais eu un clavier justement pour enfant. Il y a pas longtemps, je me suis dit, mais attends, imagine, je teste ça sur Fortnite en vrai. Ça sera l'objet suivant du coup. Je pense qu'on va monter sur la montagne pour essayer de trouver du monde. Oh, je crois que ça a l'air de se battre ici, ouais. Oh là là, j'arrive tellement vite. J'ai le mur. Non. Il a pris 40, ce. Non. Ah. Voilà, tu sors. Parfait. Qu'est-ce qu'il me donne de bien, lui? En vrai, déjà, on a le truc Spider-Man. Nickel. Au niveau du pont, c'est mieux le bleu que j'ai maintenant ou l'auto-violet? Je sais pas trop. Vas-y, bah, je pense que je vais rester comme ça. Juste la marque 7, elle est à moi. Ah, y'a un mec qui me push là. Il a l'air déter quand même, lui, hein. Oh, je l'ai bien touché, 50. J'essaie de le box. Malheureusement, ça ne passe pas. Nope. Nope. Oh, doucement, doucement. Il est là. Touché 46. Frérot. Mais wesh, il joue à quoi celui-là? C'est derrière lui, il a le dé devant. Il avait sûrement le cerveau rouillé hein. Bref, quatrième kill. Mais wesh, j'en fais plus que Martial alors que moi je suis avec la vie de merde. Il y a un mec juste là, je vais lui drop dessus. Alors là, non, faut que ça passe. 23, crack. Ok, viens. Il galère un petit peu hein. Oh là là, la balle. Parfait. On a 5 pads. Ah oui, ok. Regarde, on va remonter comme ça. Le mec, il va se prendre un gros screamer hein. Coucou. Oh, arrête de me sauter dessus. Regardez, qu'est-ce qu'il fait, sérieux.
21 une fois, 21 deux fois, 21 trois fois au lobby. On est top 10. Je commence de plus en plus à croire à la win, hein. Le clavier, honnêtement, je m'y habitue. Là, ce qui me dérange un petit peu maintenant, c'est surtout sa taille. Genre, regardez, il dépasse de la caméra carrément. 24. 24 encore. 24 encore. Boxé. No. No. Il a pas l'air mauvais celui-là. Ah, t'es bien boxé. Mais toi, tu crois que je vais te lâcher là vraiment? Je t'ai mis le doigt dans l'œil, hein. Ah, au pif, vraiment. Eh, hey, il est mort, toi, calme-toi. Du coup, là, il y a un mec qui est dans le bush. Oh non, je l'ai bien touché blanc. Nickel, il est mort. Oh, mais c'est 8 kills, vraiment? Alors, toi. Crac, j'ai le mur. 24 blancs, ça passe à travers, mon ref. Il a 20 HP, même pas 5 HP. Comment ça, 32 blancs? Voilà. Oh, j'ai eu tellement peur, je croyais que j'allais mourir là-dessus. Un pompe en or, ça par contre, je crois que c'est incroyable. Top 5 valide également 9 kills. Je pensais vraiment pas faire autant avec ce type de clavier. Après, dans tous les cas, là, j'ai commencé crescendo. C'est vraiment le clavier le plus facile de la vidéo, je pense. Là-bas, je pense qu'il doit y avoir du monde. Coucou. Ah oui. 24 deux fois. On touche encore. Il a pas l'air mauvais, lui, hein. Mais pas assez bon pour me tuer. J'aime trop faire le mec. On va reclaquer un pad. Oh, il est là. Alors toi, mon gars, là, t'es en train de prendre un drop. Je vais t'offrir un deuxième cadeau de Noël. C'est un petit bouton pour accéder au lobby, là. Qu'est-ce qu'il foutait? Il est au courant qu'il peut construire, celui-là? Bon, bah, si, merde. Hein. Il y a moyen de faire une 13 kills. Oh, je crois que je vais finir par regarder ce clavier toute ma vie. Hop, parfait. Et nous nous retrouvons désormais en 1v1. Je vais prendre la grenade gelante et je vais essayer de le dégager. Eh, hey, il est pas mauvais pour BF, hein. On va se mettre la mini. Allez, dis-moi que je l'ai eu. Aïe. Oui, let's go. Incroyable ce move. Petite danse. Bref, ce clavier, agréablement surpris. C'était plus facile que ce que je pensais. Mais là, on passe à l'extrême, un clavier pour enfants. Regardez les gars, il est là, de la marque WeKids. C'est pas du sponsor. Clavier filler pour enfants. Touche agrandie également. C'est pour les enfants de 6 ans. Voilà, j'ai quand même presque 21 ans. C'est plus trop fait pour moi, quoi, on va dire. Bref, on va l'ouvrir. Oh là 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 là. Alors déjà, en vrai de vrai, je le trouve super stylé. Les touches de couleur, j'adore. Par contre, oh, mais elles sont énormes. Regardez à côté de mon doigt. Oh là là. On va le sortir de la boîte quand même. Mais je pense que vous vous rendez pas compte, les touches elles sont 3 fois plus grosses que celui d'avant. Regardez-moi ça. Et c'est un bulldozer. Je vais mettre mon Apex Pro juste à côté. Voilà, il y a aucune vanne. C'est-à-dire que la touche entrée, elle est ici sur mon Apex Pro et il y a tout ça qui dépasse. Oh là là, mais je peux aller à peine jusqu'au TY. C'est abusé. Bref, je le branche et on le teste. Les gars, mais regardez, déjà juste pour le cadrer dans la caméra, c'est pas évident. Et comment je vais faire pour jouer? Oh là 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 là. Comment je peux faire pour construire avec ça? Comme ça, hop. Oh là là. Mais la barre espace. Mais la barre espace, regardez, je mets mon pouce à côté, c'est abusé. Donc, je mets le sol, je saute. Oh, mais oh là là, oh là 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 là, c'est quoi ça? Oh, mais on peut pas jouer avec ça en fait, j'ai eu la pire idée. Oh là là, mais c'est un calvaire. J'arrive même pas à faire des 90, regardez. Ok, comme ça, tac, 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 tac. Oh, 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 dommage, je me suis enflammé. Des extens, bon, je vais essayer, mais faut pas trop y croire. G, F, T, ouais, je lis mes touches, ouais. Oh, oh. Non, dommage. Vous savez quoi, j'ai même testé la souris avec. Regardez la petite souris, pareil pour enfants, c'est la même marque. Mais elle est trop petite. Mais elle est toute petite. Elle est minuscule. Regardez-moi ça. Genre là, je vous les deux l'une à côté de l'autre. Il y a le karting et la F1. Oh là 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 là, mais... Donc là, éditer. Tac. Oula. Ouh là là là. Mais c'est quoi ce délire? Bref, vous savez quoi? On va le tester en 1v1 matchmaking. On se met dans la file d'attente pour le 1v1. La map, elle a l'air stylée. Voilà mon opposant. Alors toi, je te le dis, j'ai un message pour toi. Si tu perds un round alors que je joue avec un clavier pour enfants énorme, tu dois désinstaller Fortnite. Alors au niveau des armes, qu'est-ce qu'il veut prendre? Ça, plus ça. Ok. Il a l'air trop fort, les gars. 90, 90. J'ai la hauteur. Mais non. Comment je prends mon arme? Comment je prends mon arme? Ah, ok, comme ça. Viens ici, viens ici, viens ici. Non. Ah, je panique. C'est trop gros. Mon arme, c'est quoi? C'est ça. Ok, c'est le 3. Oh là 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 là, le bordel. Tac. Je vais ressortir par ici. Regardez, je me balade dans ces construits. Oh, je suis mort. 61. 31. Non, dommage. Ok, 1-0 pour lui. 3, 2, 1, let's go. Ok, 90. Bon, là, j'ai fait dommage. Tu sais quoi, je vais me boxer. Je vais laisser venir me pioche. Il va me prendre pour un gros noob. 26. Oh, 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 allez. Non. Comme ça, je reprends le pompe. Non, merde, j'ai pas construit.
Non, je t'ai donné de le tuer. Allez, je sens que je peux le faire vraiment. En fait, c'est tellement chaud parce qu'à chaque fois, je retiens pas là où sont les touches. Genre, du coup, je dois regarder le clavier. Là, ça va, c'est propre. 70. 29. Oh, voilà, let's go, les gars. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Regardez ce que je vais faire. Là, je vais reprendre mon vrai clavier et je vais l'atomiser. Il va rien comprendre. Il va se dire, ouais, il était du père et tout. On reprend le A et c'est tellement plus facile. Toucher. Piste contrôle. Je veux le pioche. Non, dommage. Là, je vais reprendre mon vrai clavier et je vais l'atomiser. Bref, ce clavier, honnêtement, pas validé du tout. Hein, trop galère. Dans cette vidéo, j'avais déjà testé un petit clavier, mais celui-ci, il est encore plus petit. J'ai vraiment trouvé plus petit. Je sais pas comment j'ai fait. Bref, on va l'ouvrir. Hop, on le sort de là. Ah ouais, il est vraiment minuscule. Regardez. Genre là, si je mets ma main dessus, limite, on le voit plus. Ma main dépasse. Il a l'air ultra satisfaisant. Je vais le brancher. J'arrive dans 2 secondes. Bon, du coup, apparemment, il est RGB. Ok, il a l'air mignon. Par contre, c'est marrant. J'ai l'impression de prendre plus de place avec ma souris qu'avec mon clavier. Bref, on le teste. C'est ultra perturbant, honnêtement, de passer mon clavier normal qui est moyen, un énorme clavier et là un tout petit. Bref, celui-ci, j'ai envie de le tester en map edit. Let's go. Il y a un truc qui me fait rire sur ce clavier. Regardez, c'est la barre espace. Elle est vraiment toute petite, genre. La map est juste là. Let's go. Ok, allez, là, je suis prêt. Bon, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Le clavier a une sensation de toucher vraiment incroyable, genre. Il est ultra smooth. Ici, des escaliers, ça va être un peu plus chaud, je pense. Non, ça va. Nope, nope. Oh non, ça je déteste. Oh, ok. On va dire c'est parce que c'est pas mon clavier, les gars. Retournage des sky ici. Hop, le dernier, nickel. Là, c'est un bounce. C'est bon, je suis arrivé. Des fois, ça édite pas. Au niveau du temps de réaction, il a l'air quand même assez faible. Bien évidemment, c'est mieux que les autres parce que c'est un clavier gamer celui-ci. Mais c'est pas de la top qualité, quoi. Après, c'est normal, hein, vu le prix. Allez, mais. En fait, je peux pas aller vite, c'est ça le problème. Dites-vous que moi, de base, je suis habitué à l'Apex Pro TKL, qui est le clavier le plus rapide du monde. Là, il fait sûrement partie des plus lents. Alors là, vous êtes prêts? Regardez bien. Le monteur, tu passes en mode highlight, là, quelques secondes. T'es prêt? Regarde ça. Vous avez kiffé ou pas? J'espère que ça rend bien. Reset. Ça, c'est qu'à la souris, donc c'est assez simple. Oh, des doubles edits. Oh non, pas ça. Allez, concentré. Tac. Il clique pas bien en fait, mais regardez! Mais oh là 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 là! C'est quand on a testé un solo build? Et... Oh, c'est une galère. En fait, là vraiment, ce qui me perturbe le plus, surtout la barre espace. Moi, j'ai l'habitude de mettre mon pouce ici, mais vu que la barre s'arrête seulement là, bah c'est pas évident. D'ailleurs, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo où je teste plusieurs claviers en une. En gros, on va dire qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on teste un seul clavier en une vidéo, donc on fait une review complète. Là, on rentre moins dans les détails, mais on en teste plusieurs. Qu'est-ce que vous préférez? Vous me dites ça en commentaire. Juste avant la fin, je vais faire le solo build de ma vie. Vous êtes prêts? Tac. Non, tu coupes, on arrête ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Perso, c'était un petit régal à tourner. Elle était vraiment sympa. On fait le bilan. Le premier clavier, j'ai bien aimé. J'étais agréablement surpris. Le clavier pour enfant, une galère encore pire que ce que je pensais. La souris, par contre, elle était petite, elle était drôle. On pourra la tester pourquoi pas dans une vidéo spéciale. Et celui-ci, je suis assez mitigé. Il y a des trucs bien, des trucs un petit peu relous. Si vous avez des idées de trucs à tester, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous fais des énormes bisous baveux là. Miam. Non, j'arrête plus sérieusement. Au revoir.